Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part tout va bien. La direction le spa. Regardez, pendant que Ali est au spa, il y a la mamie qui fait ses ongles. Voilà. Et là, il se passe aussi quelque chose. Là, mais bientôt, je vais venir faire quoi, on a dit ? Hydra-facial. Voilà. Donc, avant les beaux jours, pour bien bronzer. Là, c'est vraiment détente, fille, spa, girly. On est trop bien. Un petit goûter dehors. Voilà. On peut sortir par là ? Bah attends, j'avance. Là, elle a fait sa petite sieste après son petit spa. Et donc, voilà. Du coup, là, on va goûter dehors. Voilà, elle est en train de jouer sur la plage. Mais elle est plus en train de jeter, de tuer la pochette de son père qu'autre chose. Regardez-la. Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? En train d'abîmer la pochette de papa là. Hein? Là, et regardez, je vous montre. Donc nous, on s'est installé là, à l'ombre. Super mignon. Donc ça y est, on est rentré. J'ai qui s'occupe de la piscine. Et Alia qui profite encore un petit peu du jardin. C'est bon, avec son toboggan. Voilà. Franchement, on a l'impression d'être petite journée d'été.
Vraiment. Regardez là, une. Le chat, il est où? T'appelles le chat? Vous entendez, fait ça. Je pense pas que tu arrives à monter comme ça hein, sur le toboggan, ma fille. Ça va te faire mal. Eh bien, on refait. À la une, à la deux et à la trois. Oui! Bravo! Non. Je représente les pétasses, celles qui choisissent d'être seules. Pour les autres, j'ai l'antidote. Je tiens les rênes, je porte la culotte. Genre Marco, c'est moi qui pilote. Fuck ta pétasse qui est dans sa semaine. T'as un spécial, je rappe, je te fais fondre ta semaine. Rap français, les cadavres font s'entasser. T'auras jamais le. Bam, 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 bam. Il est où Coco? Coco? Il y a Coco? Donc, il y a Coco, il y a une fontaine avec des poissons, il y a des canards. Là, il y a un circuit, mais à tout enlever. Il y a un crabe, il y a un livre. Là, là, c'est sa dernière acquisition. Donc là, vous mettez de l'eau là et ça tourne. C'est n'importe quoi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Désolée, je n'étais pas présente ce soir. Voilà, il faut que j'aille me laver, me mettre en pyjama, me démaquiller. Enfin, la totale. Là, pour l'instant, je suis sur le canapé. J'étais au téléphone depuis 8h. Ah, ouais, quand même, depuis 8h10. Oh, ça faisait 1h30 que j'étais au téléphone. Donc, voilà. Et là, je viens de couper. Non, j'ai acheté, parce que j'ai vu une vidéo, j'ai acheté des paillettes. Et je me tâte à vous faire le crash test ce soir. Mais je sais pas. Je sais pas si je suis motivée ou pas. Et je sais pas si... comment ça va être. Donc, voilà. Mais voilà, c'est des paillettes. Mais est-ce que je m'en fous de partout ou pas? Telle est la question. Donc, je vais voir si je vous fais la petite vidéo. Bon, je crois que je vais faire mon petit crash test. Là, il y a les paillettes. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi. J'aime trop quand vous dites que ma fille, elle me ressemble. Parce qu'on me dit tellement qu'elle ressemble à son père. Et je vous avoue, des fois, je regarde ma fille, je me dis, oh,
la tête de ton père. Je suis morte, vous m'avez tout dit. Attention, Afida, elle se noie dans la baignoire. Mais non, c'est pas Afida. Afida, elle va pas dans l'eau. Là, c'est un autre bébé. Vous savez qu'Alia, elle est fan de petits bébés. Il y en a partout, 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 partout. Mais non, Afida va pas dans la baignoire. Là, vous savez quoi? Je suis toute seule ce soir. Enfin, il arrive là. Il était parti au stade pour voir le match de foot. Mais genre, on a tellement l'habitude d'être tout le temps ensemble que là, on s'est dit, bon, allez, tu manques, c'est cool, tu rentres. Bon, là, il arrive, enfin. Mais voilà, il m'a dit, j'arrive et tout. Mais ça fait trop bizarre. Je sais pas vous si vous êtes comme ça avec votre chéri ou pas. Mais nous, on est tellement tout le temps, tous les deux, que ça fait trop bizarre qu'il n'est pas là. Donc, voilà. Genre, je vais pas encore me coucher, j'attends qu'il soit à la maison. Pour aller me coucher. Mais là, il arrive, enfin. Et du coup, je m'emmerde. Voilà, je m'emmerde, clairement. J'ai mis Mask Singer à la télé, mais je regarde même pas. J'ai rien compris à ce principe, à cette émission-là, je vous avoue. Mais voilà. En plus, Alia a fait dodo, donc je m'ennuie. Moi, sinon, demain, on va à la plage de G. On va manger le midi. Comme ça, Alia va pouvoir jouer tout. Parce qu'ils disent sur la météo que demain, c'est le dernier jour où il fait beau. Après les quelques jours qui arrivent, il va faire moins beau. Il risque même de pleuvoir. Donc, je me suis dit, on va en profiter demain. Voilà, on va manger avec les copines et tout. Et au moins, Alia, elle va pouvoir en profiter. Parce que s'il fait pas beau, les jours d'après, bah voilà, galère. Ça va être jardin et maison. Ou alors on va sortir, mais en intérieur. Et là, du coup, je voulais vraiment en profiter demain. Donc demain, on va à la plage de G avec des amis. Demain midi, on va manger là-bas. Allez, comme ça, elle va s'amuser. Et voilà. Comme ça va être bien. Et sinon, pour le crash test, j'ai pas l'impression que ça a marché, là. Je verrai demain, parce que mes cheveux sont encore mouillés sur la... toute la partie. Mais en fait, je sais pas, j'ai vu une vidéo la dernière fois où, en mettant des paillettes dans son shampoing, genre ça allait trop beau et tout, le résultat. J'ai plus mis plein de paillettes dans la salle de bain que dans mes cheveux.